il a fallu le chercher loin, très loin. Je parle du soleil qui a failli nous faire quelques frayeurs en boudant les premières dizaines de minutes de l'Ascara. L'Ascara qui est entré ce jeudi dans la cour des grands. 33 nations, 355 participants, les meilleurs minimes et benjamins d'Europe et d'une partie du monde comme le Japon ou les États-Unis étaient là. Et ça a fait chauffer la neige. Neige formidablement préparée par les pisteurs avec juste un peu de sel pour lui donner le goût de l'effort. L'Ascara, version slalom, est une forêt de piquets au travers de laquelle s'immiscent les jeunes aventuriers du sport âgés de 12 à 15 ans. Et dans cette partie, c'est le chrono qui décide l'ordre des meilleurs. Victoire chez les plus grands, ceux qui ont un orteil dans la cour des aînés champions de l'Autrichien Raphaël Hasser devant le Français Noël Clément et le Suisse Vincent Niclès. Chez les filles, après sa troisième place à la Topoline, l'Avaline Romane Gerassi remporte devant son public la course sur sa terre. Elle devance Tiffany Roux venant de Sauce-Barcelles et Manon Trimaille de Saint-Amarin. C'était loin d'être sûr que je gagne, au contraire, il fallait que je me batte pour y arriver. Plein de gens pouvaient me battre, c'est juste que le fait que j'ai déjà fait la piste plusieurs fois, ça m'a aidé, donc tout de suite j'avais un avantage. Ironie du sort, le frère de Romane, Hugo, avait gagné l'année dernière cette même compétition. T'as quelque chose à dire à ton frère qui était là l'année dernière et qui lui aussi a remporté cette course? Non, juste que comme ça, on va arrêter de tout le temps parler de lui et on va parler un peu de moi aussi. Chez les Benjamins, on notera la très belle performance de Victor Besson, Dossard 26, de la Clusaz, qui s'impose alors même qu'il avait déjà gagné la Topoline. J'avais gagné la première avec 5 dixièmes d'avance, puis j'ai continué et j'ai gagné la deuxième. Pourtant, le terrain n'était pas facile aujourd'hui. Ouais, la piste était assez défoncée sur la deuxième. Dans cette catégorie, victoire de la Croate, Lana Basnik chez les filles avec le Dossard 5. En attendant la fête prévue le soir par les organisateurs, tous ces jeunes se préparent activement pour le Super G de vendredi, dernière épreuve de cette 32e édition de l'Ascara qui s'annonce comme étant celle d'un cru et d'un millésime exceptionnels.